Voici donc le Massey Ferguson avec un moteur de moto. Donc, le pot d'échappement qui sort là, qui passe dans un tube plus gros et qui va sur le côté à l'arrière, comme sur le tracteur d'origine, sauf que là c'est un pot d'échappement de voiture. Un silencieux de voiture. Le carburateur qui viendra ici. Ensuite, voici la petite cardan qui relie donc le moteur de moto à l'arbre. Le câble d'embrayage ici qui s'actionne avec la pédale. Donc ici la bobine avec des branchements et le boîtier CDI. Le démarreur il tourne et si on regarde la bougie, elle fait bien des étincelles. Donc jusque là tout est bon. Il ne reste plus que l'essence et le carbu. L'essence, nous la prendrons ici, ce réservoir. Oh putain, t'es prêt ? Oui. Ça va partir. Il faudrait accélérer un peu. Alors on va remettre le starter à moitié. Accélérer un peu. Ah, c'est normal, c'est un mono. Ouais, mais je veux dire, c'était là quoi. Tu l'as pas mis sur le cylindre bloc? Non. Ouais, ça va faire vivre tes tracteurs. Hein. Alors, le ralenti, comment on le règle là-dessus? C'est ça là. Pense. C'est pas la richesse ça. Quand même. Ah oui, ça fait ça des fois. Il n'y a plus de batterie. Une minute. Oh merde.
Aufladen. Ça met Aufladen. Donc